Donc pour les personnes qui sont en train de nous rejoindre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Association Français du Monde ADFE, organisé par la Nouvelle Union écologique et populaire et le groupe Écologie et Solidarité de l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous attendons que nos panélistes puissent connectés. Nous aurons aujourd'hui, notamment autour de cette table virtuelle, la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui est déjà dans les starting blocks, le sénateur Jean-Yves Lecomte. Nous attendons, et bien, elle est en train de se connecter, la députée Élise Leboucher, et nous aurons aussi plusieurs interventions qui viendront très probablement rythmer ce webinaire, a commencé par Baptiste Heinz, qui est le président du groupe Écologie et Solidarité à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou encore mon collègue Benoît Marin-Cudraz, qui est conseiller des Français de l'étranger en Irlande et coordinateur du groupe Retraite à l'Assemblée des Français de l'étranger, mais aussi la parole citoyenne de Guy Delacour, qui nous parlera des différentes consultations qui ont pu être menées, notamment sur son territoire et des retours qu'il peut y avoir. Je vous disais que ce webinaire est organisé par l'Association Français du Monde ADFE, qui, comme vous le savez, existe depuis les années 80, qui est reconnue d'utilité publique, qui a une représentation dans les conseils consulaires. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément quand on est français à l'étranger, mais vous avez des associations et Français du Monde ADFE est une de celles-là qui vous représente très concrètement au niveau associatif. Et après, vous avez des élus, les conseillères et conseillers des Français de l'étranger qui vous représentent sur le terrain et aussi à Paris via l'Assemblée des Français de l'étranger. En 2019, pour celles et ceux qui se souviennent, le président de la République d'alors, il se trouve que c'est toujours le même, avait décidé de lancer un grand débat national pour pouvoir recueillir la parole des Français. Et les Français de l'étranger avaient été associés à ce grand débat national. Français du Monde ADFE avait alors décidé de participer, parce que c'est aussi le rôle d'une association reconnue d'utilité publique, que d'accompagner les différentes consultations citoyennes. Et on avait donc collecté plus de 1 000, je crois, différentes contributions citoyennes des pays du monde entier. Ces contributions, ces doléances n'avaient jamais été diffusées par les pouvoirs publics, et on peut probablement le comprendre pourquoi. C'est désormais chose réparée, puisque l'association Rendons les doléances, et je vous invite à consulter les travaux de 2019, l'association Rendons les doléances a diffusé l'ensemble des doléances des Français de l'étranger de 2019, et on ne s'y aperçoit d'ailleurs qu'à l'époque, l'un des premiers sujets de préoccupation de nos compatriotes qui sont établis hors de France, c'est les retraites. Et donc, je crois que finalement, aujourd'hui, ce webinaire qui est la fin d'une série, puisque Français du Monde s'est mobilisé avec ses partenaires, la NUPES, avec le groupe Écologie et Solidarité à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y a eu un premier webinaire le 4 février, un autre webinaire le 7 février. Il y a eu un webinaire un peu plus technique qui s'est passé le 13 février, qui n'est pas dans le même registre. Et le dernier aujourd'hui de cette série, et probablement que nous verrons comment se passe le débat national et la mobilisation nationale pour voir s'il y a besoin de réorganiser un certain nombre de choses. J'ai oublié de me présenter et je voudrais aussi excuser ma collègue Chantal Samuel-David, qui est conseillère des Français de l'étranger en Inde, qui est présidente du conseil consulaire et présidente de la section Français du Monde ADFE. Elle devait être avec nous. Elle a malheureusement une urgence familiale de dernière minute et je lui souhaite d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'ondes positives et de courage pour que ces soucis familiaux soient réglés très rapidement. Et donc, je me présente, je suis Florian Bohème, je suis au Cambodge. Qui sont observateurs ont dû voir le tableau derrière moi. C'est une des vues habituelles du pays avec les tuk-tuks et encore VAT. Et je suis conseiller des Français de l'étranger dans ce pays et président de la commission des affaires sociales à l'Assemblée des Français de l'étranger. Aujourd'hui, nous aurons donc Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger, ancienne ministre des Français de l'étranger,
Élise Le Boucher, députée, alors je n'ai pas le numéro de la circonscription, mais députée de la Sarthe, et ça me fait très plaisir parce que je suis sartois. J'ai grandi à Jugney-sur-Sarthe, mes parents qui ont la chance justement d'être en retraite sont en retraite à Sablé-sur-Sarthe, donc sois la bienvenue, chère Élise, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et enfin, le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui est là. Et Jean-Yves nous vient, j'ai oublié de dire pour Hélène, Hélène vient d'Irlande et Jean-Yves vient de Pologne, si je ne dis pas de bêtises. Jean-Yves. Je vous propose de passer la parole à Baptiste, qui souhaitait vous accueillir en tant que président du groupe Écologie et Solidarité à l'AFE. Et ensuite, nous passerons directement la parole à Élise Le Boucher, qui reviendra sur cette séquence qui vient de se terminer à l'Assemblée nationale. Et après, nous continuerons avec Hélène et Jean-Yves. Superbe, merci, merci beaucoup Florian. Et bon, je vais pas être long, hein, c'est vraiment pour appuyer quand même que et les remerciements et vraiment tout le plaisir que de voir que ce cycle de webinaire a vraiment fonctionné à plein. Vous étiez à chaque fois très nombreux, hein, à chacune de ces dates. Et donc, ben, bon, remercier bon, Florian directement, puisque c'est toi qui avais relancé un peu l'idée au sein du groupe. Et je pense que c'était vraiment tout à fait pertinent, et on le voit aujourd'hui. Et pour le coup, remercier l'association qui a fait vraiment œuvre utile, bien au-delà de ce à quoi on s'attendait, et qui donc rend vraiment hommage à son utilité publique en mobilisant les élus, mais pas que, nos conseillers, nos investis, enfin toute personne qui s'intéresse un petit peu sur cette question qui paraît parfois technique, et pourtant qui est très présente, qui est celle des retraites. Remercier et saluer la bonne, enfin l'enclenchement rapide alors on appelle ça la NUPES, mais en fait de la gauche, effectivement, des différentes formations qui ont joué le jeu, puisque chacun pouvait avoir la tentation finalement de le faire dans son coin, et que ce soit toutes les composantes de la NUPES et un peu au-delà, tout le monde a joué le jeu de cette démarche d'y aller tous ensemble, de fédérer nos compatriotes sur cette question et d'aller au-delà des questions partisanes. Et donc c'est vraiment beau à voir que au-delà de nos partis, et bah, du coup, grâce à l'association notamment, et un peu grâce au groupe aussi, on arrive à fédérer ces efforts et prouver que concrètement, le rassemblement donne des effets. Et donc, évidemment, remercier Hélène et Jean-Yves, remercier nos sénateurs, remercier Élise, aujourd'hui, nos parlementaires de manière générale, qui ont été de toutes ou quasiment toutes ces webinaires, aux côtés donc, de nos compatriotes, pour répondre et pour faire le lien, puisque, en premier temps, effectivement, à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, le débat passe au Sénat. Et donc, pour ce dernier webinaire du cycle, on a vraiment, je pense, une nouvelle fois, ce qu'il faut pour pouvoir porter nos questions, nos inquiétudes, nos préoccupations pour la suite. Autant parce qu'effectivement, comme Florian l'a rappelé, bien, nous avons la responsabilité, mais aussi l'honneur, donc, à travers ce groupe et à travers lui, de présider la commission des affaires sociales, qui se saisira de certaines de ces questions à la prochaine session AFE qui va se réunir fin mars. Et donc, c'est très concrètement des choses qui vont ressortir aujourd'hui, qui pourront être portées à cette occasion-là. Et évidemment, nos deux sénateurs, qui pourront aussi alimenter ces débats, ces discussions qui vont s'ouvrir, je crois, dès aujourd'hui, dès cette semaine, au Sénat. Je ne serai pas plus long parce que l'essentiel, c'est que on puisse échanger sur ce sujet-là et que les participants, qui sont nombreux, donc vraiment merci à vous parce que c'est ce qui nous encourage à poursuivre. C'est ce qui nous encourage à poursuivre, à nous engager, à donner de notre temps, donc garder un temps aussi tout à la fin de cette session pour échanger. Je ne serai malheureusement pas présent jusqu'au bout parce que je suis professionnellement retenu par d'autres réunions. Donc merci Florian d'avoir donné la parole au début pour vous saluer tous et encore remercier tout un chacun, aux participants et organisateurs pour cette belle manifestation. Merci à toi Florian et bonne réunion à tous. Bon Merci webinaire. Baptiste. Merci beaucoup Baptiste et au plaisir de se voir très bientôt à Paris. Et moi-même, j'ai manqué à tous mes devoirs. Je voulais vraiment et très chaleureusement remercier Marie qui est en Argentine et qui, je crois, est sur son lieu de travail et qui organise la technique de ce Zoom et aussi organiser Stéphane qui est le permanent français du monde ADFE à Paris et qui a aussi largement contribué à l'organisation de ces webinaires.
Et finalement, ce n'était pas organisé, mais je vais juste demander à Élise de brancher son micro et on sera bon. Madame la députée, c'est à vous. Sachez qu'en tout cas, on est ravis de vous accueillir parmi les Français de l'étranger. J'ai envie de dire, c'est aussi une des missions qu'on se donne lorsque l'on est élu des Français de l'étranger. C'est bien évidemment de dialoguer et on le fait quotidiennement avec nos parlementaires. Alors, les députés, il n'y en a aucun de gauche. À l'heure où l'on parle, on espère en gagner trois de plus dans quelques semaines. Mais en tout cas, on dialogue avec nos sénateurs et on est ravis aussi d'avoir d'autres parlementaires qui sont élus ailleurs, puisque c'est ce que j'ai dit finalement la semaine dernière, alors que je présidais la commission des affaires sociales. Je disais ça à un député LREM, Christopher Weisberg. Nous ne demandons pas spécialement de régime spécial, mais nous demandons un régime égal. Et je pense que c'est sur cela que je vous passe la parole, que je te passe la parole, pour que tu puisses nous faire le bilan de ce premier match à l'Assemblée nationale. D'abord, bonjour et merci pour cette initiative et bonjour à toutes les participants. Petite parenthèse, oui, je suis de la Sarthe et je suis la quatrième circonscription, donc Juigné sur Sarthe et Savé sur Sarthe sont ma circonscription. Donc voilà, donc c'est avec plaisir. Et pour info, je suis aussi présidente du groupe d'amitié France-Cambodge. Donc on aura peut-être l'occasion voilà, d'avoir d'autres échanges. Cette réforme des retraites, revenir sur ces 15 jours, alors quoi vous dire? Parce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Pour rappeler peut-être les enjeux de cette réforme, j'ai envie de dire au-delà de la partie très technique et de la bataille de chiffres, de savoir s'il y a un déficit de la caisse des retraites ou pas, parce que voilà, on a bien vu qu'on lit pas forcément notamment les rapports du COR de la même façon. Ce qui était assez flagrant pendant ces 15 jours de débat, c'est la vision de société deux visions de société qui s'opposent assez nettement entre, bon, je vais dire entre la droite et la gauche, même si l'échiquier puis aussi évident. Et vraiment, c'était vraiment ça ce que j'ai ressenti le plus fort. C'était vraiment deux choix de société qui s'affrontaient avec la relation au travail et la relation du coup à ce qu'on fait de sa retraite en fait. Et qu'est-ce que c'est d'être en retraite? Et avec en face du coup cette société de toujours de production, d'être productif, d'être voilà, et d'être comme si on était reconnu et actif que quand nous sommes au travail, alors qu'être à la retraite, c'est aussi des heures de travail alors non rémunérées et différentes, mais c'est aussi beaucoup d'heures pour que la société fonctionne, quoi. On oublie que ce sont les retraités qui font tourner beaucoup les associations, le bénévolat, la vie aussi de nos villes, hein, de nos communes. Moi, je le vois bien dans ma circonscription, hein, beaucoup de maires de petites communes, ce sont des personnes qui sont à la retraite. Et puis aussi être à la retraite, c'est aussi profiter de sa famille, c'est aussi voyager, jardiner, faire aussi des choses. Et ça, c'est deux concepts voilà, qui se sont affrontés pendant 15 jours et on a eu du mal à les faire coïncider. C'était assez difficile. Donc il y a ça aussi vraiment qui est important, ces deux choix de société vraiment qui s'affrontent. Et puis voilà, cette injustice de cette réforme qui est assez flagrante et qu'on a pu faire ressortir pendant ces 15 jours dans les débats, hein, si on a pris du temps sur les premiers articles, ça a permis de faire sortir ce mensonge sur les 1 200 euros de retraite. On ne sait pas si c'est net, si c'est brut. Et le nombre de personnes qui pouvaient les toucher au fil des jours descendait. On ne sait toujours pas d'où sortent les chiffres. D'ailleurs, c'est Jérôme Guedj, hein, qui a fait un travail remarquable, député socialiste, par rapport à ça. La question des carrières longues, qui était sur la fin des débats, hein, notamment portée aussi par les Républicains, sur les gens qui travaillaient avant 20 ans, où en fait, on se rend compte que pareil, là, il y a un gros flou, on ne sait pas s'il va falloir cotiser 43 ans ou 44 ans, c'est une année sur deux. Donc beaucoup de flou autour de ça. Et c'est aussi, voilà, les débats ont si bien démontré que c'était une réforme en fait qui allait faire baisser les pensions parce que finalement on travaille 2 ans de plus, mais pour toucher quasiment la même retraite que si on s'était arrêté à 62 ans.
Parce que, donc voilà, donc beaucoup d'injustices qui ont été démontrées pendant ces 15 jours, beaucoup de flou. Alors je pense que voilà, va y avoir la relève avec le Sénat, hein, qui va continuer à démontrer tout ça. Et voilà, après on pourra revenir un peu plus en profondeur dans les questions, quoi, mais voilà pour moi. Merci beaucoup en tout cas. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes en effet sur les carrières qui sont menées à l'étranger aussi avec les carrières des femmes. Je sais que c'est un C'est combat ça. qui est mené très fortement par Hélène Conway-Mouret aussi depuis longtemps. On peut dire, et Hélène et Jean-Yves, que vous êtes deux sénateurs. Très aguerri au rouage parlementaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Hélène, quelle est donc la suite des réjouissances, si on peut parler ainsi? Je crois que ça passe en commission le 28 février et ça arrive en séance au plateau le 3 mars, le 2 mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu aux Français à l'étranger qui sont connectés comment est-ce que ça fonctionne au Sénat et qu'est-ce qui va se passer concrètement dans les débats sur cette réforme des retraites? Merci Florian, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai, nous allons nous réjouir jour et nuit pendant 15 jours, puisque le choix finalement du processus du projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, hein, c'est le PLFSSR, qui invoque de facto l'article 41.7 de la Constitution qui limite le temps finalement du débat législatif. Donc 20 jours pour l'Assemblée nationale, 15 jours sont réservés au Sénat. Et le choix aussi du processus permet au gouvernement d'invoquer l'article 40, c'est-à-dire ne nous permet pas, ne nous autorise pas à engager de nouvelles dépenses sans que celles-ci soient compensées par des crédits. Et c'est ce qui se passe normalement dans un projet de loi de finances, mais là, on n'a pas le droit d'engager de nouvelles dépenses. Donc c'est un petit peu compliqué quand on nous demande finalement d'améliorer un texte qui est très largement perfectible. Et un deuxième choix, quand même, qui est assez étonnant, c'est d'avoir placé le point central de ce débat, c'est-à-dire l'âge de départ à la retraite, à l'article 7 et non pas à l'article 1 ou 2. Parce que si véritablement ce texte est en réponse à ce que le président de la République élu aujourd'hui avait proposé et sur lequel il était élu, c'est ce que le gouvernement n'a eu de cesse de nous répéter depuis le début. Eh bien, je pense qu'on aurait débattu de ce point-là, l'article 1 ou l'article 2. Alors, sur les 20 articles de ce texte, deux ont été examinés à l'Assemblée nationale. Le premier a été adopté et le deuxième a été rejeté. Et donc, nous nous sommes mis d'accord avec l'ensemble des groupes de gauche au Sénat, c'est-à-dire le groupe ELV et le groupe communiste, eh bien, de déposer un grand nombre d'amendements, tout simplement pour avoir un débat de fond, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui ressort dans l'opinion publique, c'est que, quelque part, les Français attendent beaucoup de ce débat pour que, justement, on puisse démontrer dans le détail, sur un point quand même qui nous touche tous incroyablement intimement, hein, c'est la dernière partie de notre vie dont il est question. Eh bien, que l'on puisse s'assurer ou démontrer que, eh bien, on va dans le sens de ce que les Françaises et les Français attendent. Et comme le dit Élise, c'est une vision de société qui est complètement différente. Et on le voit bien aujourd'hui au Sénat comme à l'Assemblée. En fait, il y a deux blocs. Le bloc Renaissance centriste LR, et puis de l'autre côté le bloc de gauche. Alors, pour répondre à ta question, Florian. Est-ce que le texte sera voté ou pas au Sénat? On ne sait pas. Il faut attendre la fin des 15 jours de débat. De toute façon, qu'il soit voté ou pas, il ira en commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, c'est un nombre égal de sénateurs et de députés qui se rencontrent et qui se mettent d'accord sur le texte final. Si la CMP n'est pas conclusive, le texte repart à l'Assemblée nationale. Mais dans le véhicule qui a été choisi par le gouvernement,
Le processus doit tenir en fait dans 50 jours. Donc, l'Assemblée a déjà utilisé 20 jours, le Sénat va en utiliser 15, on sera déjà à 35, la CMP aura lieu dans la foulée, et donc au mieux, il restera une dizaine de jours à l'Assemblée nationale pour adopter par majorité, par vote bloqué ou par le 49-3 finalement ce texte. Alors, le gouvernement peut également légiférer par ordonnance. Et c'est ce qu'il fera si, au bout des 50 jours, l'Assemblée n'a pas voté le texte. Alors, nous, nos prévisions font que la CMP risque d'être conclusive, tout simplement parce que, comme je disais, il y a un bloc quand même de droite qui sera majoritaire lors de cette commission, donc bloc Renaissance, centre-droit et LR, qui fera que malheureusement le texte risque d'être adopté. Voilà, donc je ne sais pas, je reviendrai peut-être après sur le texte et la façon, enfin, les points politiques finalement de débat que nous avons eu en préparation de ce texte et en préparation des amendements, mais peut-être qu'il y aura d'autres questions. Je pense que, enfin, j'espère avoir répondu de façon claire quel est le processus qui est engagé et comment celui-ci va aboutir, s'il va ou non jusqu'au bout. De toute façon, je crains que le texte ne soit adopté d'une façon ou d'une autre. Voilà, merci. Merci beaucoup Hélène. Et je vais passer la parole à, on va dire, notre monsieur retraite, puisque je crois que Jean-Yves est extrêmement engagé sur ces questions, qui sont d'abord souvent des questions aussi de technique. Nous le savons, puisque il y a beaucoup d'élus autour de cette table virtuelle, que nos compatriotes à l'étranger ont beaucoup de droits à faire, ont beaucoup de mal à faire valoir leurs justes droits quand il s'agit de faire appliquer leur retraite. Et nous savons que nous pouvons compter sur nos parlementaires et notamment sur Jean-Yves qui, je crois, ne lâche jamais rien sur ces questions-là. Et je te propose, Jean-Yves, de rappeler un peu quels sont les grands aspects de tout ce que peut englober une liquidation de retraite, on va dire, ou en tout cas une retraite quand on est français à l'étranger. Oui, merci, merci Florian et bonjour à toutes et tous. Et effectivement, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a quelqu'un qui est à la technique en Argentine. Tout à l'heure, l'intervention du président de groupe d'Abidjan, toi au Cambodge, Hélène, je pense au Sénat. Moi, je suis à Bratislava pour l'instant. Voilà, donc c'est vraiment français du monde. Et effectivement, cette réforme, ça a été dit, est profondément préoccupante et totalement injuste quand on voit le cœur de ce que ça touche. C'est-à-dire que finalement, ce sont les personnes qui ont leurs années de cotisation et qui pourraient partir à des taux pleins avant, à 62 ans, qui vont être conduites à faire des années de plus. Et ce n'est souvent pas ces personnes qui ont les meilleures retraites et une carrière sans pénibilité. Donc, c'est profondément injuste finalement de faire des économies ciblant la partie la plus fragile de l'ensemble de la population. Et c'est vrai que ce combat, c'est un combat sur le fond, c'est-à-dire pour argumenter, pour expliquer pourquoi on ne veut pas de cette réforme, mais pourquoi aussi, finalement, il faudrait faire une autre réforme, une réforme qui permet d'améliorer les retraites. Parce que ça a été évoqué précédemment, le corps a indiqué qu'il n'y avait pas un sujet fondamentalement de financement des retraites à l'avenir. Et s'il n'y a pas un sujet finalement de financement des retraites à l'avenir, c'est qu'on constate que même si depuis 20 ans, le pourcentage de financement des retraites dans le PIB est passé de 12 à un peu plus de 14%, les prévisions ont plutôt tendance à montrer une stabilité ou une baisse, ce qui est plutôt inquiétant compte tenu de l'évolution de la démographie française. Et ce qui veut dire finalement que compte tenu de l'évolution des carrières des personnes qui vont progressivement prendre leur retraite, même à système de retraite égal, les retraites baisseront parce que les carrières auront été plus hachées, ce ne seront pas des carrières dans un seul système et ce seront des carrières qui n'auront pas été complètes et avec des rémunérations correctes. Et par conséquent, à système égal, dans 10 ans, on aura des retraites plus basses qu'aujourd'hui. Donc finalement, en fait, oui, il faut une réforme, mais pas cette réforme-là. Il faut une réforme qui permette d'améliorer et d'adapter finalement les retraites à l'évolution des carrières des personnes entre aujourd'hui et les personnes qui sortiront, qui prendront leur retraite à l'avenir et le système aujourd'hui. Parce qu'on a un vrai… on va petit à petit, et même sans cette réforme,
déjà avoir un sujet de paupérisation d'une partie de la population en âge d'être retraité sans même rien réformer. C'est-à-dire que même sans rien réformer, il faudrait se préoccuper de savoir comment mieux financer le système de retraite pour améliorer le système de retraite. Et là, j'en viens aux sujets qui sont les nôtres, hein, parce que le système français, je ne vais pas faire un exposé sur l'ensemble du système, mais le système français, et c'est un système qui a été créé à un moment où les carrières étaient linéaires. Et par conséquent, c'est un système qui s'appuie sur 33 régimes de base et complémentaires qui ont fonctionné finalement tant que les carrières étaient linéaires et qui aujourd'hui est, à mon sens, fragilisé par le fait qu'on passe, il y a peu de carrières, même quand vous restez en France, qui se font dans le cadre d'un seul d'une seule caisse de retraite. Et par conséquent, si vous êtes polypensionné, automatiquement, vous avez des difficultés avec le système tel qu'il est aujourd'hui. Le système français, c'est un système qui s'appuie sur une retraite de base, qui est le plus souvent portée par la CNAV, et puis des systèmes de retraite complémentaires qui, suivant les cas, représentent entre 30 et 60 % des revenus en retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retraites aujourd'hui, c'est 123 milliards de prestations versées par an. Et c'est ça qui est important et qui finalement motive, à partir du moment où le gouvernement veut faire des économies, l'idée qu'il y a 900 000 nouveaux retraités tous les ans. Bien évidemment, si vous bloquez les arrivées pendant une année en repoussant l'âge de départ à la retraite ou en demandant plus d'années cotisées pour avoir une retraite à taux plein, automatiquement, vous faites des économies. Sur les 21 millions, il y a 21 millions de cotisants et 14 millions de retraités. Et sur les 14 millions de retraités, il y a un peu plus de 1 million de retraités à l'étranger. Parce qu'il ne faut pas oublier, la retraite n'est pas liée à la nationalité. La retraite, elle est totalement liée. Et il y aura peut-être une question sur les 1 200 euros de ce point de vue-là. Mais la retraite, elle est totalement liée à un droit lié à des cotisations. Ça ne change pas après. L'endroit où vous résidez, finalement, n'emporte pas votre droit ou pas votre droit. Vous avez le droit à une retraite. Après, bien entendu, si vous êtes à l'étranger, il va y avoir les certificats d'existence, le cas échéant, à produire pour pouvoir continuer à la recevoir. Mais en tout état de cause, la retraite, elle est liée à des cotisations. Et il y a énormément aussi d'étrangers qui ont travaillé en France et qui retournent dans leur pays après avoir cotisé. Et sur les 1 million de retraités qui vivent à l'étranger, il y en a un peu plus de la moitié qui vivent en Europe et un peu moins de la moitié qui vivent dans le reste du monde, sachant que dans ceux qui vivent dans le reste du monde, 40% vivent au Maroc. Voilà, c'est donc il y a c'est ce qu'on peut ce qu'on peut dire à ce stade. Ce qui est essentiel et qui nous touche directement avec cette réforme, c'est que à partir du moment où vous posez une exigence, vous connaissez le calcul de la retraite en France, de la retraite du régime général, retraite qui va à un maximum qui est, à mon sens, autour de 1 600 euros. C'est le taux maximum de la retraite de base, pas des régimes complémentaires. Cette retraite, elle se calcule avec trois paramètres. Le premier paramètre, c'est un taux. Un taux qui est un taux plein si vous liquidez votre retraite à 67 ans et qui, si vous la liquidez avant, va être fonction du nombre d'années de cotisation que vous avez effectuées. Deuxièmement, un prorata entre le nombre d'années cotisées et le nombre d'années exigées pour cotiser. Et en troisième lieu, un revenu qui va être pris sur la base des 25 meilleures années de votre carrière. Donc, les trois paramètres ont une importance. Le nombre d'années où vous avez cotisé en France. Ben ça, ça, vous le savez. Et puis, si vous n'avez pas cotisé en France, vous avez pu, le cas échéant, cotiser à l'étranger. Donc, vous serez deux sources de retraite. Le taux. Alors, il est évident que si vous avez fait une partie de votre retraite à l'étranger, vous n'avez pas toutes vos années cotisées en France. Ce ne sont pas suffisantes pour arriver au nombre d'années qui permet d'avoir le taux maximum sans attendre 67 ans. Et c'est donc important de pouvoir comptabiliser les années que vous avez faites dans d'autres pays ou éventuellement dans des organisations internationales. Et ça, ça se fait dès lors qu'il y a un accord de sécurité sociale entre la France et le pays dans lequel vous avez exercé une activité.
Et sachant que c'est le pays où, et que dans l'Union européenne, on a l'avantage en plus que l'ensemble des régimes sont harmonisés et que par conséquent, on ne cotise pas. Si vous travaillez par exemple en France, au Portugal et en Allemagne, on va vous prendre la somme des années cotisées en France, au Portugal et en Allemagne. Et donc, vous pouvez de cette manière avoir une chance d'atteindre le nombre d'années qui permettent d'avoir un taux sans décote. Toutefois, au jour d'aujourd'hui, et ça fera l'objet d'amendements lors de la discussion, parce que ça, probablement c'est un amendement qui peut passer, en tout cas qui ne sera pas irrecevable, il faudra faire en sorte, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez bénéficier que d'un seul accord international pour le calcul du taux. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, dans le cadre de l'Union européenne, c'est un accord Union européenne, donc ça va, mais si vous avez fait une partie de votre carrière en Allemagne et une partie au Canada, ça sera soit la partie de carrière au Canada, soit la partie de carrière en Allemagne qui sera pris en compte pour pouvoir calculer votre taux, ce qui est problématique. Donc ça, il faudra essayer de le modifier. Et bien entendu, les calculs de taux se font sur la base des conventions de sécurité sociale, c'est-à-dire de ce qui organise par le truchement du CLES les échanges d'informations entre les sécurités sociales des différents pays. Deuxièmement, le nombre d'années, ça j'ai dit, c'était facile. Et troisièmement, les 25 meilleures années. Et ça, c'est un problème pour ceux qui ont des carrières à l'international, parce que si vous avez fait la moitié de votre carrière en France et la moitié de votre carrière à l'international, vos 25 meilleures années, c'est toutes les années que vous avez cotisées en France, donc les bonnes et les mauvaises. Et ça, effectivement, ce qu'il faudrait, et c'est la revendication en particulier de notre ami conseiller des Français de l'étranger d'Irlande, ce serait de proratiser. C'est-à-dire, si on vous dit que c'est les 25 meilleures années quand vous avez fait une carrière de 43 ans en France, si vous avez fait la moitié de votre carrière en France et la moitié à l'étranger, ben, il faudrait prendre vos 12,5 meilleures années. Ce serait la logique du système. Or, ce n'est pas le cas. Et ça, pour le coup, si on proposait un amendement sur le sujet, directement, ça engendrerait automatiquement une dépense complémentaire et ce serait article 40. Donc, la seule chose qu'on peut faire sur ce sujet, c'est d'interroger le gouvernement pour que, le cas échéant, il prenne des dispositions pour changer les choses. Après, donc voilà le calcul, ce que je peux dire sur le calcul des retraites. Alors, ça, c'est le premier aspect qui impacte, bien entendu, la réforme, parce que quand vous demandez vous reportez l'âge et que vous exigez plus d'années de cotisation, automatiquement, ça a un impact sur le calcul qui peut être négatif parce que le taux, il faut plus d'années pour y arriver. Et la deuxième difficulté quand vous êtes à l'étranger, c'est que finalement, plus on retarde l'âge en France qui est possible pour prendre sa retraite, finalement, plus il peut y avoir un décalage avec l'âge de départ à la retraite dans le pays de résidence. Alors, d'abord, il faut faire la différence entre l'âge moyen de départ à la retraite et l'âge auquel on peut liquider sa retraite. Quand on parle de 62 à 64, c'est l'âge légal où on peut commencer à liquider sa retraite. Ce n'est pas l'âge de départ. Bon, beaucoup de Français partent plus tard. Par contre, et j'évoquais tout à l'heure la situation du Maroc, au Maroc et en Tunisie en particulier, l'âge de la retraite, c'est 60 ans. C'est-à-dire, si vous êtes français et que vous vivez à l'étranger, vous travaillez au Maroc… Au Cambodge aussi, Jean-Yves. Voilà, au Cambodge aussi. Donc, vous avez, dans pas mal de pays, des âges de départ à la retraite qui sont finalement plus jeunes qu'en France. Et par conséquent, c'est difficile, surtout quand vous êtes étranger, d'obtenir des dérogations au travail au-delà de l'âge de départ, de l'âge où on doit prendre sa retraite. Et vous vous retrouvez dans des situations où moi, j'ai des listes de personnes qui ont été conduites à devoir prendre leur retraite à 60 ans dans leur pays de résidence, et à devoir attendre jusqu'aujourd'hui 2 ans et bientôt 4 ans pour pouvoir liquider leur partie de retraite française, ce qui les fait plonger finalement dans une situation très très difficile en termes sociaux et devoir, le cas échéant, demander se retrouver à demander une allocation de solidarité dérogatoire pour pouvoir faire le lien entre la retraite étrangère qui est déjà due mais qui est souvent faible et la partie française de la retraite. Voilà ce que je pouvais dire le cas échéant en première analyse. Bien entendu, il y a d'autres sujets qui mériteraient d'être évoqués. C'est les sujets liés aux personnes qui sont fonctionnaires détachés et qui exercent une partie de leur activité à l'étranger, en détachement au sein d'institutions étrangères et qui cotisent à l'étranger alors qu'ils sont aussi fonctionnaires. Donc ça, c'est un truc assez spécifique. Je pourrais revenir dessus s'il y avait des besoins. Je pense aussi qu'il faudra qu'on essaie de trouver une solution pour justement les carrières hachées, en particulier dans les couples.
Moi, je m'interroge sur la possibilité de déposer des propositions d'amendement pour finalement permettre entre conjoints des transferts de cotisations. Quand vous avez un conjoint qui sacrifie sa carrière pour l'autre, bon, voilà, il y a peut-être quelque chose qui serait même peut-être acceptable en termes d'amendement. Toutefois, au-delà de ce que j'ai indiqué, et Hélène l'a dit, compte tenu finalement du caractère de la réforme et de ce qu'on peut faire en termes d'amendement, et que ce que j'ai évoqué, il y a beaucoup de choses qui sont du domaine du réglementaire et pas de la loi, notre marge de manœuvre va être relativement faible, mais ce sera l'occasion d'évoquer ces sujets avec le gouvernement. Et d'un autre côté, à partir du moment où, pour le reste, et on reviendra peut-être sur les aspects politiques de la réforme, cette réforme est quand même fondamentalement injuste, économiquement injustifiée, est totalement décalé par rapport aux besoins d'un système de retraite qui n'arrivera pas à servir des retraites de même niveau demain qu'aujourd'hui sans faire de réforme. Et bien entendu qu'il faut qu'on fasse tout pour que cette réforme ne passe pas. On peut s'amuser à déposer des amendements pour demander des propositions et bien entendu, on doit le faire parce qu'on représente les Français qui sont en mobilité et qui ont besoin de ces évolutions. Toutefois, à la fin, moi, j'ai la conviction qu'il faut qu'on fasse tout pour que cette réforme ne passe pas. Et pour que cette réforme ne passe pas, il y a le débat sur le fond et aussi de l'usage le meilleur possible de l'ensemble de la procédure parlementaire et de fragiliser au maximum la manière dont le gouvernement le fait. C'est-à-dire qu'une commission mixte paritaire, comme a évoqué Hélène, qui se réunirait après avoir eu une lecture à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat, sans qu'il y ait eu d'adoption à l'Assemblée nationale, c'est déjà acquis, et sans qu'il y ait d'adoption au Sénat, ce serait un objet institutionnel qu'on n'a jamais rencontré et qui fragiliserait probablement le gouvernement dans ses démarches d'après s'il voulait légiférer par ordonnance. Et tout doit être fait pour fragiliser finalement le dispositif qu'a choisi le gouvernement pour faire passer cette réforme. Merci beaucoup Jean-Yves, le temps file très vite et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent parfois aussi être d'ordre technique et n'hésitez pas à écrire directement à Français du Monde, à DFE aussi, on y répondra. On a notamment vu cette question de cette personne qui est au Kazakhstan. Savoir notamment comment est-ce qu'elle peut faire pour communiquer avec les organismes de retraite en France et tout. Vous avez des parlementaires, vous avez des conseillers français à l'étranger et on est tout à fait là pour vous accompagner. Et notamment, je vois aussi cette question concernant l'âge de retraite à 67 ans. Peut-on demander la partie française de la retraite si l'âge minimal est à 62 ans aujourd'hui? La réponse est oui, sauf si votre pays a une convention entre la France et votre pays de résidence. C'est ce qu'a expliqué Jean-Yves Lecomte. Et là-dessus, nous vous invitons à aller aussi sur le site du CLESS, CLEISS, puisque vous avez 45 pays de mémoire qui sont sous convention avec la France. Et donc, votre retraite doivent être coordonnées entre les deux pays. Je vous propose de passer maintenant la parole à deux témoignages. On va dire le témoignage de Benoît en tant qu'élu et représentant de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui Jean-Yves a commencé à aborder le sujet. Et c'est vrai qu'il y a une question qui a été posée dans le chat de savoir comment est-ce que les parlementaires des Français de l'étranger, mais les parlementaires tout court, sont mobilisés. Benoît va y répondre et va présenter le travail qui est fait par l'Assemblée des Français de l'étranger en direction des parlementaires. Et je souhaite d'ailleurs aussi signaler et le remercier en même temps que le député d'alors, Karim Bencher, avait fait toute une série d'amendements et il a pris soin, avant d'être démissionné de l'Assemblée nationale, il a pris soin de retransmettre ces amendements aux différents parlementaires de son groupe. Et c'est notamment comme cela que Élise vous présentera les amendements qui ont été présentés, enfin qui n'ont d'ailleurs probablement pas été présentés, mais qui en tout cas ont été déposés à l'Assemblée nationale. Donc Benoît, je te laisse la parole pour quelques minutes et ensuite Guy nous présentera les témoignages citoyens qui ont été récoltés dans ces pays. Guy est en Égypte et il nous parlera des différents pays de sa circonscription. Vas-y Benoît, je t'en prie. Oui, bon. Bonjour. Oui, donc Jean-Yves a déjà parlé pas mal du sujet. J'ai donc juste reprendre le principal point qu'il a évoqué.
pour ceux qui ont une carrière inférieure à 25 ans en France, la retraite française ne va pas être calculée sur les meilleures années. Et par exemple, pour bien se rendre compte du problème, il faut voir le problème que posent les jobs d'été d'un étudiant. Quand un étudiant travaille pendant un été en France et qu'il fait toute sa carrière en France, ça va lui donner un trimestre et le salaire annuel de cette année ne va pas être pris en compte puisqu'il ne fera pas partie des 25 meilleures années. Et donc, quand on cotise un tout petit peu en France, ça augmente la retraite. Par contre, quand on a quand on a une carrière qui est inférieure à 25 ans, travailler un petit peu et cotiser un petit peu, ça va faire baisser la retraite puisque la prise en compte du salaire annuel va tellement baisser le revenu annuel moyen que ça ne sera pas compensé par les trimestres qui seront validés pour cette année. Et donc, ça fera baisser la retraite. Donc, c'est vraiment un gros problème. Ils ont parlé, entre autres, des carrières longues à l'Assemblée nationale. Il faut absolument qu'ils parlent des carrières courtes aussi parce que c'est un des gros problèmes. Donc, effectivement, l'une des solutions, ça serait de passer à la place de calculer à partir des 25 meilleures années, ça serait de calculer à partir d'un même pourcentage, quelle que soit la durée de la carrière, et de pouvoir éliminer toutes ces petites années qui font baisser la retraite. Ensuite, je suis comme Hélène, j'ai travaillé en Irlande, moi, et d'après ce que m'avait dit Hélène, on était dans le même cas, c'est-à-dire qu'il y a toutes les années qui ont été travaillées en Irlande ne sont pas validées par le système de retraite irlandais. Ce qui fait qu'on a beau être dans l'Union européenne, on a des trous dans notre carrière et donc nous, on n'a pas notre retraite. Enfin, je ne sais pas si Hélène, je pense que Hélène est dans le même cas que moi, si j'ai bien compris. Mais moi, je n'ai pas pu avoir ma retraite à 62 ans, ma retraite française, parce qu'il me manquait des années qui étaient validées, qui auraient dû être validées en Irlande, qui ne l'ont pas été. Et il y a plein de cas. Bon, Jean-Yves en a parlé un petit peu aussi, mais quand il y a plusieurs, quand on travaille dans plusieurs pays, on ne peut pas cumuler tous les accords. Mais il y a plein de cas où les années travaillées à l'étranger pour le taux, hein, parce que de toute façon, la retraite française est proportionnelle au nombre de trimestres validés en France. Mais en ce qui concerne le taux ou l'âge de la retraite, il y a beaucoup d'années qui sont effectuées à l'étranger qui ne vont pas pouvoir être prises en compte. Donc, on parle beaucoup de la réforme de la retraite en ce moment, mais pour de nombreux Français de l'étranger, comme moi, comme mes voisins, de toute façon, nous, on aura notre retraite après 64 ans. Moi, c'est mon cas, mes voisins, c'est pareil, et ça sera même 67 ans. Donc, il y a déjà un problème très important au niveau du calcul de la retraite et de l'âge de la retraite pour les Français de l'étranger. La réforme, c'est pas le plus important. Pour nous, le problème, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir notre retraite à 67 ans. Et donc, ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et les accords, on a parlé du CLES tout à l'heure, les accords, pour l'instant, ne solutionnent pas ces problèmes-là. Donc, c'est un problème à rajouter. Tout à l'heure, donc, je ne connais pas encore Élise, je connais Jean-Yves et Hélène, bien sûr, et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler avec Élise de la retraite. On a parlé des 1200 euros tout à l'heure, ça se passe à travers du minimum contributif. En général, les Français et les étrangers ne peuvent pas avoir le minimum contributif, puisqu'à partir du moment où ils vont toucher une retraite à l'étranger, la somme de leur retraite va déplacer le plafond à partir duquel on peut toucher le minimum contributif. Donc, on est à la fois très défavorisé parce qu'on a des carrières courtes et hachées par le calcul et en même temps, nous, on ne peut pas bénéficier du minimum contributif. Voilà un petit peu ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui s'est déjà dit. Alors, on a contacté des parlementaires, mais malheureusement, moi, je considère que on a eu Christopher Weisberg on a parlé avec lui, mais il n'a pas voulu aborder, pour moi, il n'a pas abordé vraiment les problèmes de la retraite des Français de l'étranger. Donc, on espère qu'on aura prochainement une audition avec les sénateurs, avec des sénateurs, avec le groupe de travail sur les retraites, et que ça sera plus productif là. Merci beaucoup, Benoît. En effet, comme tu l'as précisé, la commission que j'ai l'honneur de présider à l'Assemblée des Français à l'étranger qui s'occupe des affaires sociales a souhaité auditionner à la fois des députés et des sénateurs. Et il y a donc une audition qui est prévue en tiers groupés, comme on dit, avec des sénateurs. Donc, c'est chaque groupe de l'Assemblée des Français à l'étranger qui a désigné un représentant pour sa sensibilité politique.
Et pour la gauche, nous aurons le plaisir d'accueillir, si je ne dis pas de bêtises, je crois, le sénateur Chantrelle, et ça sera le 7 mars prochain. Guy, tu es en Égypte et vous avez mené, je crois, un travail avec tes camarades sur la circonscription pour récolter un certain nombre de témoignages. Et c'est vrai que c'est important aussi pour pouvoir nourrir concrètement les débats. Donc, je te passe la parole. Et ensuite, Élise, tu parleras justement des amendements qui ont été déposés à l'Assemblée. Et enfin, je voudrais juste dire aux différents participants qui posent des questions extrêmement techniques. On va essayer d'y répondre, mais très honnêtement, sur notamment des questions sur des liens entre conventions entre Belgique et France, etc. Je vous invite par exemple à vous tourner vers votre conseillère des Français de l'étranger, Cécilia Gondard, qui se fera un plaisir de répondre à ces questions, qui est spécialiste en plus de ces questions-là. Donc, je pense qu'elle pourra vous accompagner là-dessus. Vraiment, je le redis, allez faire un tour sur le site du CLES et sur le site Info Retraite si vous ne comprenez pas tout. Et après, n'hésitez pas non plus à solliciter directement Français du Monde ou vos parlementaires, si vous avez une question très technique qui vous concerne personnellement, parce que souvent, ça prend du temps pour apporter des réponses. Guy, je te passe la parole. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien là, parce que je suis sur mon téléphone? C'est parfait. Parfait, vas-y. Donc, sur la circonscription 10 des Français d'étrangers qui comprend 49 pays, nous avons envoyé une demande de témoignage et nous avons eu beaucoup de récits de vie. En fait, c'est des vies concrètes qui se soucient de quels sont leurs droits à la retraite parmi les Français et l'étranger. Bon, il ressort vite de ces récits de vie. Moi, je vais en présenter 5 qu'on a échantillonnés. Ce sont vraiment des vies qui se racontent. Et ces 5 échantillons, Égypte, Congo, Gabon, Émirat, Madagascar, Guatemala, Guatemala parce que c'est quelqu'un qui est actuellement en Égypte, sont vraiment parlants sur certains faits. Le premier, c'est que ça confirme qu'il y a énormément de Français d'étrangers qui sont en fait des contrats locaux. Et là, l'accès au droit à la retraite se précise par des choses très concrètes. Pour ce qui est de la Circo 10, c'est 97,5% de contrats qui sont salariats et autres, entrepreneurs, en tout cas cotisations, mais qui échappent aux revenus de sources françaises et à leurs modalités de cotisation à la retraite. Mais même ces derniers, on a un témoignage, par exemple, d'un professeur qui attend un poste de résident et donc qui est sur place et à qui on a imposé de passer par une période de contrat local qui lui enlève déjà un certain nombre de trimestres. Bon, donc je donne les exemples. Sarah Farhan, on a changé les noms, hein, 33 ans, franco-libanaise, postdoctorat en France de physique des matériaux. Elle a donc fait toutes ses études longues en France. Elle obtient au Liban sa double nationalité, un contrat local de professeur qui, comme d'habitude, souvent dans ces cas, a une partie en euros et une partie en monnaie locale, 300 euros en monnaie euro, complété par le reste en salaire de monnaie locale, alors que la livre libanaise est extrêmement dévaluée. Impossibilité pour elle de cotiser à la Sécu CFE et encore moins à la retraite, parce qu'il n'y a pas de convention en plus pour intégrer les cotisations sociales du Liban au calcul des trimestres de la retraite française. Double peine, voire triple peine. Ahmed, 65 ans, français, Émirats arabes unis, professeur de philo et en contrat local, 13 ans de français d'étranger après 25 ans de cotisation en France, Guatemala, Madagascar, Dubaï 8 ans, Égypte, etc. À Dubaï, il gagnait 5 000 euros par mois. Il devait cotiser à la Sécu CFE pour lui et pour son épouse, c'est le problème des conjoints. Plus évidemment à 2 mutuelles, vu les coûts de santé, 180 euros pour une consultation médecin général, plus Pôle emploi expatrié pour le chômage et cotisation CFE retraite. Et il a tenté de faire toutes ces cotisations, 5 000 euros demandés par trimestre.
C'était impossible. Ça faisait 20 000 euros par an, soit 4 mois de sa salaire par an pour essayer d'accéder au système social français. Il a dû arbitrer et supprimer la cotisation CFE à la retraite. Donc, la limite d'âge de son contrat local à Dubaï a été de 62 ans. Pour accéder à une dérogation, l'employeur devait verser plusieurs milliers d'euros par an de dérogation. Ça n'a pas été accepté et validé en interne dans son entreprise. Retour en France au chômage pour attendre les 67 ans de l'âge de suppression de la décote à cause du manque de ces 13 années, soit 42 trimestres manquants. Une retraite qui sera a priori au-dessous du seuil de pauvreté. Voïrana, Madagascar, franco-malgache, contrat local, doit sur son salaire en contrat local, évidemment, payer les impôts et la cotisation au système malgache, ce qui est normal. Ça représente 30% de son revenu net. Elle a un salaire équivalent à un salaire moyen de professeur, mais en net et avant ses paiements des impôts locaux par prélèvement obligatoire et avant les cotisations à la sécurité sociale, à la retraite, il n'y a pas de convention. Donc, pour elle, c'est elle aussi, ça serait la double peine, si même elle en avait les moyens, de cotiser à la CFE, CQ plus retraite. Ça comprendrait hein, 60% de son revenu qu'elle touche pour pouvoir avoir cette double peine de la double cotisation. C'est impossible. Donc, elle n'aura qu'une retraite malgache de quelques dizaines d'euros. Ouais. Bon, Thierry, Français au Gabon, entreprise totale, il est agent de sécurité. Il a été agent de sécurité pendant plusieurs décennies. Contrat local, convention, il y a une convention entre le Gabon et la France. Mais trois problèmes. La convention marche mal. La sécurité sociale gabonaise ne fournit pas les documents de cotisation. De plus, quand les documents sont rassemblés, si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale français, c'est un cauchemar de parvenir à faire valider les documents. L'exemple qu'il a donné, c'est ce sont des récits de vie, même si ça paraît technique. Réponse, document non conforme. En fait, c'était après intervention que la validité du document demandé devait être de 3 mois et que le temps que les documents soient traités, il a fallu 1 an, donc ils ont, sans explication supplémentaire, invalidé les documents. Bon, devant les difficultés, en plus, il a travaillé dans plusieurs pays. Donc, il a dû arbitrer et présenter le contrat principal qu'il estimait comme seule référence. La retraite, il l'a demandé depuis des années. Il n'a réussi à toucher que la complémentaire. Et la retraite de base n'est pas encore calculée et sera de toute façon très faible. Chrétien, un franco-congolais. Son employeur français avait fait miroiter un contrat local avec paiement par l'employeur de la CFE, Sécu et retraite. Mais devant l'absence de réel contrôle, il a en fait déclaré, l'employeur, à la CFE un salaire plus faible que le réel, de façon à ne payer que la cotisation minimale. Conclusion pour Chrétien, le montant de la retraite acquise est donc extrêmement faible. D'accord. Un de ses collègues évoque de plus le problème des primes coefficientées qui donnent lieu à des tas de recours et qui n'ont pas de suite. Donc, je pourrais donner encore un autre exemple. Je pense qu'on a déjà un bon aperçu quand même de ces témoignages qui permettent en effet de rendre réel aussi. Et je tiens d'ailleurs à rassurer Guy, ça n'est absolument pas des sujets techniques et c'est des sujets pour le coup auxquels les élus des Français à l'étranger sont confrontés au quotidien sur les histoires de retraite. Et il n'y a pas un pays aujourd'hui qui ne soit pas impacté par des incompréhensions. Je vois que dans le panel, que dans les participants, il y a aussi des personnes qui posent des questions, notamment sur le retour en France. C'est l'occasion de rappeler le site Retour en France et l'action qui avait été menée à l'époque par Hélène Conway-Mouret, puisqu'elle a produit un rapport sur ces questions de retour en France. Et en effet, les sujets qui concernent les Français de l'étranger sont des sujets au long cours, au très long cours. Et finalement, on est de génération en génération de représentants des Français de l'étranger à essayer de faire avancer
petit à petit les choses. Ce que je vous propose pour cette dernière partie de ce webinaire, on se donne encore une quinzaine de minutes, c'est peut-être d'aller un peu plus sur le volet finalement politique de cette réforme. Alors, on peut faire le lien, bien évidemment, aussi avec ce qui s'est passé pour les Français de l'étranger, pour montrer qu'il y a quand même une défense des Français de l'étranger qui se fait. Je crois, Élise, que l'on t'a transmis ou que tu as toi-même déposé un certain nombre d'amendements en défense des Français de l'étranger. Et après, je propose que Hélène et Jean-Yves puissent aussi nous présenter ce qu'ils vont défendre au Sénat, parce que c'est bien un sujet politique et tous ces débats doivent servir à permettre en tout cas de rétablir un certain nombre de vérités. Élise, je te passe la parole. Oui, merci. Oui, bien entendu, suite à des échanges avec des Français de l'étranger, évidemment, je ne les ai pas inventés moi-même. En effet, j'avais déposé des amendements que j'ai pas pu défendre parce qu'ils étaient loin dans les articles, du coup dans la réforme, article 13, je crois. J'ai déposé trois amendements, mais un qui a été irrecevable, parce que c'est un peu ce qu'expliquait Jean-Yves Lecomte tout à l'heure, hein, c'est que comme on est dans un budget, on peut pas créer de charges supplémentaires. Mais du coup, j'avais bien pris en compte la difficulté autour de la caisse des Français de l'étranger. Donc, j'avais tenté un amendement dans ce sens-là sur la cotisation et comment tenter de modifier cette cotisation et faire qu'elle ne soit pas trop à charge pour les Français de l'étranger, mais du coup, c'était recevable. Donc, dans les amendements recevables, j'ai déposé un amendement, du coup, c'est sur un rapport sur les révisions du mode de calcul des retraites pour prendre en compte les spécificités du coup des Français de l'étranger, donc notamment sur les carrières hachées. Ça a été bien expliqué hein, sur la difficulté de prendre en compte les 25 années, tout ça. Donc, un rapport sur les révisions du mode de calcul et aussi sur le sujet qui a été évoqué, aussi sur les conventions bilatérales entre pays, puisque même s'il en existe beaucoup, il y a quand même encore des pays avec lesquels où il n'y en a pas, où ça n'existe pas. Donc, c'était pareil de recenser du coup les pays manquants et puis d'établir du coup des conventions avec ceci. Voilà pour ma part. Après, je sais qu'en effet, Karim Benchek, du côté des Verts, du coup, avait déposé des amendements. En effet, j'ai vu des questions là-dessus, hein, sur l'information, justement, français de l'étranger, sur là où ils en sont de l'état de leur carrière avant de rentrer en France et tout ça, d'améliorer, en fait, améliorer la transparence et l'information aux Français de l'étranger sur ça, sur l'évolution de leur carrière. Merci beaucoup, Élise. Et en effet, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans ce sérail. Et même quand on est dans ce sérail, c'est parfois un peu ardu. Mais sur le sujet retraite des Français de l'étranger, il y a beaucoup de choses qui appartiennent aussi au réglementaire, comme on dit. C'est-à-dire que ça ne passe pas par le Parlement, ça c'est passe ça. Directement par les administrations. Et c'est aussi des combats que nous allons mener. J'en profite puisque nous avons deux sénateurs, ils connaissent déjà les combats que je porte, mais nous avons une nouvelle députée parmi nous, j'ai envie de dire. Il y a un combat, puisque Jean-Yves le rappelait, 1 million de retraités français à l'étranger, 0 représentation dans les caisses de retraite. C'est-à-dire que nous avons des comités d'usagers qui existent dans toutes les caisses de retraite et les Français à l'étranger n'y sont pas dedans. Donc, voici un combat qui peut être aussi à mener pour donner plus de visibilité et finalement faciliter aussi quand il y a des sujets. Si on a des comités d'usagers, ça permet de faire remonter les préoccupations. Sur le volet réforme et Sénat, je ne sais pas qui de Jean-Yves ou Hélène souhaite poursuivre. Hélène, peut-être? Ok, oui, parce que je m'étais limitée finalement à répondre à la question. Hein. T'as discipliné, Florian. Et finalement, je n'ai pas donné du tout d'avis politique sur cette réforme. Je crois que le terme qui vient spontanément à l'esprit et qui s'impose, c'est l'injustice. Jean-Yves l'a mentionné, Lise aussi. Je crois que personne n'est opposé, en effet, à une réforme des retraites qui pourrait s'inscrire dans le temps, mais qui serait une réforme juste. Or, celle-ci est tout le contraire. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'elle a été annoncée il y a 6 ans par le président de la République, quand il était candidat, comme je l'ai dit. Et en fait, pendant 6 ans, il ne s'est rien passé. Et d'un seul coup, on nous pend un texte dont on doit se saisir dans un délai très limité au Parlement. Il y a une sorte de précipitation, finalement, qui est absolument incompréhensible.
comme si, en fait, il fallait simplement faire la réforme, cocher que la réforme a été faite et passer à autre chose, puisque, en effet, le corps, et ça a été rappelé, c'est le Conseil d'orientation des retraites, a déclaré quand même très clairement que la part des dépenses des retraites dans le PIB resterait sur une trajectoire maîtrisée à l'horizon de 2070. Donc, il n'y a pas de précipitation à avoir. Voilà. Deuxième point, la fixation de la droite sur l'âge de départ à la retraite, avec bien sûr en soutien les économies qui seraient réalisées. Bon, les chiffres qu'on nous a donnés, c'est 8 millions d'économies, et ce qui n'a pas été donné, c'est qu'en même temps, pour utiliser un vocabulaire toujours d'actualité, c'est qu'il y aurait 5 milliards d'économies et 5 milliards de surcoûts de dépenses sociales qui sont déjà annoncés. Donc, franchement, l'argument budgétaire est quand même pas vraiment de mise. Moi, je crois, et j'en viens maintenant aux amendements, que le gouvernement, de toute façon, a un énorme problème avec les réformes à venir, parce que celle-ci, quelle que soit l'issue du débat au Sénat, va faire, et Jean-Yves est rentré dans le détail, il a eu tout à fait raison, le processus qu'il a choisi lui-même, finalement, le pénalise parce que s'il se retrouve à légiférer en utilisant le 49.3 pour une réforme aussi essentielle, franchement, ça montre une faiblesse absolument énorme dans ce gouvernement. Donc, je ne vois pas comment les années qu'il reste à Emmanuel Macron vont lui permettre de faire quoi que ce soit. Alors, quant aux amendements que nous souhaitons proposer, avec ce que j'ai rappelé, donc cet article 40 qui nous empêche d'avoir de nouvelles dépenses, nous allons quand même demander essentiellement, alors d'abord aborder la question des certificats de vie, Florian, que tu connais parfaitement, et tous les problèmes qui sont attachés, et profiter finalement de ce débat pour faire ressurgir des questions auxquelles nous n'avons toujours pas les réponses nécessaire, ça fait des années, enfin je ne sais pas, je dois être une dizaine, une douzaine de courriers d'intervention sur le sujet et on n'avance pas, il y a toujours des blocages sur le terrain et bon sang, il faut utiliser aussi ce débat parlementaire pour mettre en évidence ce qui ne va pas et comment nous pouvons, alors ça passe par la loi ou ça passe par le règlement, mais si ça passe par le règlement, au moins faire sortir les aberrations aujourd'hui auxquelles nos compatriotes font face sur le terrain pour essayer d'améliorer finalement leur quotidien. Le droit à l'information, une information également qui soit transmise aux intéressés, formation de assez spécifique pour les personnels, et ça je reviens en effet, il faudrait peut-être mettre le lien sur le retour en France qui permet aux Français de préparer leur retour, qui est très très important parce que la réinsertion ne se fait pas facilement. Hein, quand on a passé une longue période à l'étranger, il y a énormément de difficultés, donc ce serait peut-être utile de mettre le lien pour que les uns et les autres puissent y avoir accès directement. Mais aujourd'hui, on continue de voir que les Français de l'étranger ne sont pas dans la case Français de l'Hexagone, ils ne sont pas dans la case non plus étrangers. Et donc, on nous demande de nous comporter comme les étrangers, mais comme nous sommes français, que nous avons des papiers français, on n'est pas reconnu et il y a des blocages dans toutes les administrations. Donc, il est important de former dans les administrations des personnels qui seraient sensibilisés aux problématiques que nous rencontrons et qui sont particulières. Et puis, finalement aussi, en tant qu'amendement, de proposer des applications sécurisées. Avec bien sûr la reprise de ce que Élise a énoncé, puisque nous pensons que nous irons jusqu'au bout, ou presque en tout cas, du débat. En effet, des rapports, alors bien sûr, à chaque fois c'est retoqué, mais il faut quand même les demander, parce que certains passent, j'en ai obtenu deux récemment, une grande victoire, des rapports sur l'application des conventions internationales, je pense que c'est important également, et puis, si l'article 7 devait passer, eh bien, l'application, un rapport sur son application. Voilà, parce que Benoît et d'autres ont mentionné en effet les problèmes rencontrés dus aux âges différents de départ à la retraite. Alors, c'est plus tôt ou c'est plus tard suivant le pays où on habite. Et en effet, les attentes de liquidation font que les personnes se retrouvent dans des situations très précaires. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Hélène. Et je vais donc passer la parole à Jean-Yves. Il y a eu plusieurs questions dans le chat sur savoir un peu quelles seraient aussi finalement les stratégies politiques qui seraient défendues au Sénat. Et on voit bien là aussi qu'il y a des débats qui se passent aujourd'hui à gauche sur ces questions-là. Je pense que Jean-Yves, étant très engagé sur ce texte des retraites, va pouvoir un peu plus nous dire en détail quelle est justement la stratégie avec son groupe qu'il souhaite appliquer. Hélène l'a rappelé, je crois que c'est Hélène, si je ne me trompe pas, l'a rappelé en début de session en disant que les trois groupes de gauche au Sénat travaillaient sur une coordination ensemble. Et puis c'est vrai qu'il y a des sujets très concrets, ces histoires d'index senior, ces histoires de flou sur les carrières longues, etc. Est-ce que Jean-Yves, tu peux, en conclusion de ce webinaire, nous dire un peu, voilà, quelle va être la stratégie des prochains jours pour pouvoir défendre à la fois les Français de l'étranger, mais les Français tout court, contre cette réforme inique. Il y a pas ton micro, faut que tu branches ton micro, par contre, Jean-Yves. La stratégie générale, c'est ce que nous avons déjà évoqué, c'est de débattre du fond et en même temps de fragiliser la procédure au maximum en essayant, tout en restant bien entendu correct, de ne pas permettre le vote au Sénat du texte final. Il y a une majorité au Sénat pour adopter le texte. Donc les groupes de gauche vont essayer de faire ce qu'il faut en termes de dépôt d'amendements et de prise de parole sur articles et sur explications de vote pour faire en sorte que nous n'arrivions pas au vote final, tout en débattant au maximum de l'ensemble des articles pour faire le débat de fond sur l'ensemble des articles. Ce n'est pas garanti, parce qu'il y a quelques outils de procédure au Sénat qui permettraient à la majorité sénatoriale de réduire le temps de parole et les droits d'intervention. C'est ce que nos groupes sont en train d'essayer de mettre en place pour qu'on puisse s'assurer, parce que on peut durer quelques jours, mais durer plus d'une semaine, 10 jours sur un texte, avec les procédures qu'ils peuvent mettre en place pour limiter les possibilités d'intervention, ça va être compliqué. Donc, il va falloir multiplier les amendements. Après, l'index senior, c'est finalement un peu la petite chose, bien entendu. À partir du moment où on dit on oblige les gens à travailler plus longtemps, alors qu'on constate que la France est un des pays où le taux d'emploi des personnes de plus de 55 ans est un des plus faibles, c'est une aberration. Parce qu'en réalité, on dit aux gens à travailler plus, mais en même temps, on sait bien qu'une partie, 2/3 des personnes de plus de 56 ans ne travaillent pas. Et par conséquent, c'est très compliqué. Et à la fin, on va arriver à avoir des retraites qui sont plus faibles parce que les gens n'auront pas travaillé et auront finalement moins cotisé parce qu'on aura demandé plus de cotisations. Donc, en fait, l'index senior, c'est un peu voilà, la petite carotte pour être gentil, finalement. Mais c'est vrai que fondamentalement, on aurait besoin de changer la manière de comportement des entreprises pour faire en sorte que les personnes de plus de 55 ans qui veulent travailler, elles puissent travailler. Et là, on a un vrai problème aujourd'hui, et je pense que ça va se résoudre petit à petit avec l'évolution du marché du travail et les tensions sur le marché du travail. Deuxièmement, pour répondre à une question qui a été sur le chat, un PLFSS peut rajouter des recettes. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien créer une nouvelle taxe, on pourrait faire des choses de cette nature. On peut proposer des amendements de cette nature, mais on ne peut pas proposer un amendement qui crée une nouvelle dépense. On peut supprimer en tant que parlementaire une nouvelle dépense, mais on ne peut pas créer une nouvelle dépense. C'est-à-dire que même ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait de dire on proratise les 25 meilleures années en fonction du nombre d'années cotisées, ça va automatiquement être favorable aux personnes, ça augmente les dépenses de la sécurité sociale et par conséquent, ça va pas être, c'est susceptible d'être soumis à l'article 40. Donc, c'est un peu dans ce cadre qu'on doit travailler. Donc, ça a été évoqué, hein, on déposera d'une manière ou d'une autre des amendements directs, c'est-à-dire avec un dispositif ou pour soulever le problème avec une demande de rapport sur le calcul du taux pour calculer les années, sur permettre à plus de personnes de pouvoir cotiser à la Caisse des Français via la Caisse des Français d'étrangers pour la retraite, parce qu'aujourd'hui, il faut que les personnes aient eu au minimum 5 ans d'affiliation à un régime obligatoire de la sécurité sociale. Moi, je vais essayer de travailler aussi sur les questions de cotisation des personnes qui ont été détachées dans un établissement à l'étranger, la question du transfert de cotisation entre conjoints, je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, la situation des polypensionnés avec les calculs des années, mais là, je pense qu'on ne pourra pas faire plus qu'un rapport, et éventuellement, effectivement,
la question des certificats de vie. Et je crois vraiment qu'il faut que nous arrivions à bloquer cette réforme. Parce qu'en réalité, cette réforme est un hold-up. Cette réforme est un hold-up de l'État sur les comptes de la sécurité sociale et de la protection sociale d'une manière générale. Le budget de l'État est largement déficitaire. Il représente 398 milliards de dépenses et 244 milliards de recettes. Et les comptes de la sécurité sociale, c'est 602 milliards de dépenses et juste 7 milliards de déficit. Si bien qu'en fait, l'État, aujourd'hui, avec cette réforme, ce n'est pas qu'il veut réformer les retraites pour qu'elles soient plus efficaces. Il veut prendre l'argent de la protection sociale pour le mettre sur les dépenses de l'État. Et c'est un hold-up. C'est la suite du hold-up qui a été fait il y a quelques années sur l'ensemble de l'assurance chômage, hein, où on nous a raconté qu'au nom de la… on nous a d'abord dit que l'État se substitue une partie des cotisations à l'assurance chômage, et puis après l'État a pris le pouvoir, et après il a réformé à la baisse l'assurance chômage. Il fait la même chose avec les retraites. Et l'étape suivante, je vous la donne tout de suite, ce sera le hold-up sur les caisses de retraite complémentaires. Or, si nous voulons que la protection sociale soit correctement et suffisante pour l'ensemble des personnes qui vivent en France, et des Français et des personnes qui ont travaillé en France, il faut que cette protection sociale reste sous contrôle des partenaires sociaux et pas sous contrôle d'un État qui utilisera finalement le volume que coûte la protection sociale pour réguler les dépenses de l'État et pas au bénéfice de la protection sociale. Et ça, c'est un combat majeur de la gauche que de faire en sorte que ce soit les partenaires sociaux qui conservent le contrôle des dépenses et de la politique de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant de longues heures. Je faisais pendant l'intervention finale de Jean-Yves, je faisais la liste des pays qui ont été connectés ou qui se sont manifestés. Donc Jean-Yves parlait depuis la Slovaquie. Marie a organisé ce webinaire depuis l'Argentine. Je suis moi-même au Cambodge. Guy a parlé depuis l'Égypte. Benoît a parlé en Irlande. Et j'ai vu des personnes connectées de Belgique, du Kazakhstan, du Vietnam, de Chine, sans oublier bien sûr Élise qui est chez nous dans la Sarthe. Donc vous voyez, c'est cette force et cette richesse des Français de l'étranger, même quand il y a une mobilisation nationale et dont on a l'impression parfois que les Français de l'étranger ne sont pas concernés. Premièrement, nous sommes concernés par les débats politiques et par ce qui se passe en France. Et deuxièmement, quand il y a des mobilisations comme elles se passent aujourd'hui en France, eh bien nous aussi, à notre manière, nous sommes mobilisés. Et je crois que c'était finalement l'objectif aussi de ce webinaire, qui est de rappeler donc aux parlementaires, mais aussi au gouvernement. Il y a un ministre des Français de l'étranger, on le verra fin mars, donc on pourra lui rappeler qu'il y a aussi une grande partie des Français de l'étranger qui sont soit opposés ou se posent de très, très nombreuses questions sur cette réforme des retraites. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne fin de journée ou de soirée et au plaisir de se revoir sur d'autres sujets. Via Français du Monde, via les différentes plateformes politiques. À très bientôt. Merci. Merci. Merci Florian. Merci.